moi pour l'adorer. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103. Nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse en son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre tes merveilles, car ta miséricorde dure toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre tes merveilles, car sa miséricorde de Dieu.
Merci, précieux Sauveur béni. Tu es merveilleux dans ta façon de faire les choses. Merci parce que tu es vivant. Nous te rendons gloire. Nous te rendons vraiment gloire et honneur. Et toute la gloire te revient, mon Sauveur, et l'honneur aussi. Tu sois honoré, adoré, exalté et élevé de tout le cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et aimé de chaque heure encore aujourd'hui, mon Sauveur. Merci pour ce peuple qui est à toi. Merci encore pour ton Esprit Saint, pour ta présence glorieuse et merveilleuse, mon roi, qui témoigne réellement de ta présence, ta puissance encore davantage, mon Seigneur, qui elle aussi transforme encore. Merci parce que tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi qui crées, c'est toi aussi qui manifeste effectivement aussi ce que serait aussi le jour qui viendrait, bénémoine Père Saint-Dieu, parce que tu es l'auteur de toutes choses. Sois béni encore ce soir, ce matin, bénémoine Père Dieu, et sois glorifié encore pour ce que tu fais. Nous attendons à toi et nous te remercions. Merci pour chaque frère, merci aussi pour chaque sœur, merci aussi pour tous ces enfants qui sont passés ici, qui ont pu chanter, et tous nos frères et sœurs de partout, dans différents endroits, différents pays, différentes contrées, Seigneur Jésus, que tu ramènes davantage, Père Dieu, et que tu positionnes encore dans ces lieux, dans ton corps à toi, mon béni, mon Père Dieu, afin que nous puissions tous te rendre l'honneur qui t'est dû, mon Seigneur. Nous voulons vraiment t'honorer et t'adorer. Merci pour les chants et les cantiques. Merci vraiment aussi, Père Saint-Dieu, pour les psaumes que nous avons été lus tout à l'heure encore, béni, mon Père Saint-Dieu. Mon âme te loue et te glorifie. Bénis ton peuple, Père Dieu. Merci de ce que je peux le retrouver et le revoir encore en ce jour. C'est une grâce que tu accordes, Père Dieu. Et chaque jour que nous avons, c'est une grâce que tu nous accordes, béni, mon Père Saint-Dieu. Et nous voulons vraiment nous y appliquer comme toi, tu attends de nous, Père, pour que nos cœurs te soient donnés aussi, Père. Merci pour ta bénédiction, merci aussi pour ton soutien, merci pour ton secours, merci aussi pour le pardon que tu ne cesses de pouvoir nous accorder, Père. Tu es vraiment miséricordieux et dans la colère et aussi riche en bonté, Seigneur. Merci pour tous les témoignages, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour le merveille qu'on peut arriver à pouvoir admirer, que tu fais, que tu accomplis au travers de tes enfants, toi, bénémoine, Patrimissant. Combien nous sommes heureux pour ce que tu fais, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, tu es vraiment parfait, tu es vraiment merveilleux.
merveilleux, Père. Louange et honneur à toi pour ton amour à notre endroit. Seigneur, pour ta compassion aussi, mon bien-aimé Père Saint. Tu ne nous as jamais laissé tomber, Père. Mais tu as toujours été là pour pouvoir nous éclairer et témoigner que tu es vraiment notre Dieu qui nous soutient, qui nous conduit. Et tiens-nous par la main, Seigneur, parce que nous voulons rentrer à la maison avec toi. Nous sommes heureux de pouvoir vivre avec toi sur cette terre et continuer aussi avec toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Pourriez-vous vous asseoir et nous remercions Dieu pour cela, cette grâce que nous avons, le privilège de pouvoir nous retrouver dans sa maison, afin de pouvoir aussi l'adorer et le glorifier. Je le remercie de m'accorder la grâce d'être encore parmi vous. Amen. Merci beaucoup pour vos prières. Vous avez prié pour moi, vous avez jeûné. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à mon précieux frère Zaché. Merci aussi à mon grand Christian. Que Dieu te bénisse. Pour son amour et effectivement aussi pour sa foi aussi, sa fidélité aussi. Que le Seigneur le bénisse richement. Qu'il bénisse tous mes frères et sœurs aussi, tous ceux qui sont heureux de pouvoir voir la chorale qui chante. Et les enfants aussi, effectivement aussi. Merci aussi à ceux qui sont aussi techniques aussi, et l'interprétation, aux instruments, partout. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci aussi pour tous ceux que vous avez accomplis, quittant vos endroits où vous êtes pour faire des kilomètres jusqu'à cet endroit, afin que nous puissions avoir aussi la communion avec vous. Je voulais aussi remercier aussi notre précieux frère Yves, ainsi que notre précieux frère Daniel. Que le Seigneur le bénisse richement pour cet amour qu'ils nous ont témoigné, en venant effectivement aussi chaque fois qu'ils en avaient donc l'occasion, afin de pouvoir aussi nous apporter la grâce d'avoir la communion autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur le bénisse, bénisse aussi également aussi leur famille. À vous tous aussi, je vous en remercie. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Certainement, le Seigneur a fait de grandes choses. Il continue à pouvoir le faire parce qu'il témoigne qu'il est vraiment le Dieu qui ne change point. Et encore plus, encore davantage, parce que nous entrons dans une phase qui est tout à fait particulière. Et cela, on peut le constater aussi, même lorsque on se déplace d'un endroit vers un autre aussi, nous voyons que le Seigneur est en train de travailler pour pouvoir ramener ses élus à l'endroit qu'ils doivent se retrouver. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cela. C'est pour ça que nous réalisons que c'est une phase particulière et il n'y a que ceux qui sont vraiment de Dieu qui vont vraiment s'accrocher. Et c'est sûr et certain qu'au stade où nous entrons dans les choses qui concernent Dieu, il n'y aura pas beaucoup qui vont tenir. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de divin, de Dieu, au plus profond de la personne, pour que réellement la personne s'accroche. Souvenez-vous de notre Seigneur, et souvent nous les lisions, et maintenant on commence à pouvoir en connaître encore la profondeur. Lorsqu'il s'est mis debout, il était tenté de pouvoir, il y avait toute la foule qui était là, et puis les disciples également aussi. Il a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc si vous ne prenez pas cela, vous ne mangez pas cela. Alors, vous savez, quand nous lisons, nous disons, bah, c'est vrai que... Mais mettez-vous à cette époque-là, j'ai toujours dit à pouvoir le répéter, et mettez-vous à la place de ces personnes-là qui étaient instruites dans une sorte de direction, d'orientation dans laquelle ils étaient. Je pense que même de leur bas âge, effectivement, ils ont grandi dans ces choses-là. Parce que dans la loi, ils pouvaient, c'était absolument interdit de boire le sang. Et jamais personne, je pense, parmi les enfants d'Israël et tous ceux qui croyaient effectivement en ces dieux d'Abraham, puis arriva à pouvoir prendre le sang et boire. Parce que... Et aussi en plus de cela, jamais, peut-être, bon, probablement dans la cachette, mais jamais quelqu'un
et pu arriver à pouvoir prendre la chair de quelqu'un et la manger. Probablement que bon, dans certaines circonstances, mais c'est quelque chose qui ne pouvait même pas passer par l'esprit d'une certaine manière ou d'une autre. Mais voilà que là, il leur dit que si, et ça c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire que c'est la condition. Si vous ne le faites pas, ben vous n'avez pas la vie. Malgré tout ce que vous avez fait. Vous vous souvenez de ce jeune homme riche? Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, cela, cela. Et puis le jeune homme, toute sa vie s'était tenue en cela. Vous vous souvenez? Alors, il a dit, moi, voilà que je me suis gradé, j'ai fait ça, j'ai tenu à la parole, j'ai tenu effectivement ce que j'ai à pouvoir entendre. Alors le Seigneur le regarde, après avoir tout ce qu'il avait fait. Vous pouvez seulement entendre qu'il dit, alors viens, entre donc, reçois la vie éternelle. Vous connaissez l'Écriture. Quelle surprise de, que les jeunes hommes entendent cet homme-là qui s'était né là. Donc quand on le regardait, il n'était pas vraiment. Ce qu'il dit dans la Bible, je crois, d'Isaïe 53, en parlant de lui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait donner effectivement une place facilement. Alors il le regarde et lui dit, il dit, va, vends tout ce que tu as, et puis viens et suis-moi. Le jeune homme a regardé tout ce qu'il avait, effectivement, et ce qu'il était. Il a fait son choix. En fait, il était arrivé à un point où il voulait... C'était pas long, hein. Ça m'a basculé, rentré là. Il a fait. Donc, tout ce qu'il a eu à pouvoir faire, ça lui a servi de rien. Oh oui, ça choque effectivement aussi, on se pose la question. Mais le problème, c'est que nous sommes appelés à pouvoir vraiment connaître le Dieu que nous servons. Tu ne peux pas le connaître toi, avec toutes les théories que tu peux arriver à pouvoir avoir. Vous vous souvenez de la prière du Seigneur, et surtout quand il a eu à exprimer avec allégresse, je l'ai toujours répété ici, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, les prétentieux, les je connais, les que je suis né déjà dans ces choses. Donc je suis comme, vous vous souvenez dans Jean chapitre 8, verset 30, il dit aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples là, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'orgueil monte davantage. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est pour ça qu'il leur a dit un peu plus loin, il dit la vérité, mais peu importe ce que vous dites, mais vous avez. Ils ont dit que nous avons Dieu pour dire, Abraham est notre père, il dit non, Dieu, vous avez pour père le diable. Vous êtes la postérité d'Abraham, c'est vrai, mais votre père à vous, c'est vraiment le diable. Donc, vous n'avez rien à voir avec Dieu. Donc, c'est important que nous connaissions Dieu, comme il dit. C'est que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, il nous est toujours nécessaire de pouvoir vraiment se laisser instruire. C'est pour ça qu'il a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ne vous prenez jamais sage à vos yeux et des gens qui ont la connaissance suprême à vos yeux, parce que c'est à ce moment-là que l'égarement vient aussi. Et Dieu, mais tu les as donc révélés donc aux enfants. Il n'y a que le Seigneur, notre Dieu, qui peut venir se révéler à toi et qui peut effectivement aussi t'instruire pour savoir qui il est. Ce n'est pas beaucoup d'études qui vont t'expliquer cela. Parce qu'il n'y a aucune étude qui connaît vraiment Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est celui-là qui peut donc te révéler et te montrer effectivement que dans cela, voici là où moi je suis.
Et là-dedans, moi, je ne suis pas là. Voici les signes que tu vas reconnaître que c'est moi qui suis et qui fais ceci. Donc, c'est lui, et pas les études. Mais c'est lui, en fait. Et c'est pour cela que les Saintes Écritures nous font savoir que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils. Alors, c'est cela. Nous sommes dans un temps particulier, mon frère et ma sœur, où chacun de nous doit... Il y a mon frère Zachée, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas, ou bien c'est moi, mais il semble qu'il y a peut-être un peu plus chaud ici. C'est trop chaud. Et si on peut peut-être nous ramener ça un peu dans la climatisation, on puisse avoir un peu froid, ça nous aiderait. Donc, nous devons réaliser que nous avons besoin toujours d'apprendre de ces dieux et tel que ces dieux est aussi grand et comme je crois que c'est Solomon qui priait, qui dit voici donc les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Quelle maison pourrais-je te bâtir? Déjà, quand on regarde mon cerveau, il est petit. Quand je regarde le ciel, il est très étendu. Comment avec mon cerveau, avec ma connaissance, je peux connaître celui qui est, dont les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Alors voyez-vous, ceux qui ont eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur ont appris. C'est pour ça qu'il dit que l'humilité précède donc la gloire et l'orgueil en fait la chute. Dieu instruit ses enfants à pouvoir se retrouver effectivement dans la condition, même s'ils sont grands, mais dans la condition comme des enfants, toujours obéissants. Et surtout, un enfant, tu lui dis quelque chose, il croit. Il ne pense pas que tu le trompes. Enfin, en confiance. Et c'est si vous ne vous convertissez, et devenez comme ces petits enfants, et dans cette foi-là, vous ne pouvez pas. Il faut que votre foi ne passe pas, c'est les pharisiens, tout ça. Voyez, vous comprenez, ce sont des choses qui sont importantes pour nous, que nous comprenions maintenant. Pourquoi le Seigneur nous fait entrer dans ces choses dans lesquelles nous y sommes? Et aussi, quand nous pouvons y entrer, que nous prenons aussi les Écritures, nous vérifions. Je vous l'avais dit, prenez vos Bibles, prenez vos brochures, lisez, vérifiez tout ce que vous entendez. Et voyez donc si ce n'est pas conforme à la volonté parfaite de Dieu. Parce que si c'est conforme à la volonté parfaite de Dieu, toi tu pries, tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais maintenant quand il te manifeste sa volonté parfaite, quelle position tu prends à ces sujets? N'oubliez pas que dans les Saintes Écritures, il dit que vous avez encore besoin de la persévérance. Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous êtes. Donc, il est donc absolument important que, sinon ce que nous faisons tous, c'est du théâtre. En fait. Ça ne nous amènera pas tellement très loin. Vous savez, il y a un frère que... C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Le frère, ce frère, il s'appelle Péniel. Je crois que le frère qui m'entend. Il avait eu son bébé avec sa femme. Mais jamais il n'a eu à pouvoir avoir les désirs qu'un pasteur de l'autre côté là-bas puisse arriver à pouvoir consacrer son bébé. Parce qu'il disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vois vraiment pas un pasteur qui prêche la parole de Dieu, un homme qui sont toujours dans répétition ceci et cela. Il dit non, je ne vois pas, parce qu'il a eu l'expérience avec Dieu. Et garder son bébé à la maison. On lui posait la question, mais Péniel, pourquoi? On a vu aujourd'hui que les autres sont bénis avec leurs enfants. On pose la question, gloire à Dieu, Dieu est grand. Amen. Alors, lorsque la parole de Dieu a été donc apportée. Non, Dieu est vraiment merveilleux, parce que souvent, comme nous sommes habitués à être avec vous aussi, vous savez, il y a des témoins qui vont vous confirmer ce que je vous dis. Quand nous sommes ensemble comme ça, parfois, vous ne réalisez pas ce que Dieu est en train de faire pour vous.
Vous me combattez, ça ne sert à rien, vous ne vaincrez jamais. Alors, j'ai dit ça pas pour faire plaisir, mais je le répète pour ceux qui combattent. C'est votre nature de pouvoir combattre contre la parole de Dieu, mais jamais personne n'a vaincu Dieu. Donc, si nous sommes sages, nous agenirons simplement et disons, Seigneur, conduis-nous parce que moi, je veux voir ta face. C'est comme cela, effectivement. Mais il a déployé une puissance tellement extraordinaire qui dépasse parfois. Je disais tout à l'heure à mon père et aussi à mon frère Zachée, mon frère José qui était dans mon bureau. Vous m'entendez bien? Amen. J'ai dit, l'île Maurice où j'ai été, ça m'a changé. Là, Dieu m'a instruit encore plus, et depuis que je suis rentré de l'île Maurice, ce n'est plus pareil. Et maintenant que je suis parti là-bas de l'autre côté, ça a encore changé. On ne peut plus perdre son temps à des choses inutiles. Oui. C'est le temps de pouvoir vraiment marcher, prendre une décision ferme et marcher avec Dieu. Vous ne vous rendez pas compte, nous nous rendons tous pas compte, que notre temps est fortement avancé. Quand c'est Dieu a dit « Je viens bientôt », il revient vraiment et bientôt. Parce qu'il met toutes les choses vraiment en place pour que, effectivement, son peuple soit ramené dans la position juste à l'endroit où il doit se trouver pour que l'action de Dieu puisse réellement se faire. Ah ben, quand il a entendu la parole de Dieu, la puissance de Dieu a balayé toute l'église entière. Alors quand je dis qu'elle a balayé toute l'église entière, elle a vraiment balayé toute l'église entière. Vous voyez, on dit souvent que le Seigneur, notre Dieu, est l'interprète de sa parole. On n'a pas besoin. Vous savez, il n'y a qu'à laisser simplement Dieu lui-même. Hein, c'est ce que nous avons. Dieu lui-même parler à son peuple. Et que le peuple puisse avoir le cœur disposé. Vous verrez. Extraordinairement le merveilleux. On ne va plus jouer les comédies comme on joue. Son bébé s'appelle Jérémie. Ce jeune homme a attendu jusqu'à ce que moi je sois dans ce pays-là. Aucun pasteur, aucun prédicateur ne pouvait pas toucher son enfant pour pouvoir le présenter à Dieu. Mais il ne me connaissait pas. Si c'était ici, on va dire, oh, parce qu'on veut forcément que ce soit frère Léonard, frère Léonard. Moi, votre frère Léonard, je sais comment le penser pas chez vous. Je ne cherche jamais rien du tout. Oh, c'est qu'on attend. Non, non, pas. Là-bas, à l'étranger. Frère Koulibaly, là-bas, à l'étranger. Dieu a fait des grandes choses. Il dit, je dis que j'ai un témoin qui peut dire, Dieu a fait des grandes choses. Parce que parfois, si on a un témoin, on dit, ah, il exagère. Oui, peut-être bien. Il a attendu dans une église, mais on savait très bien qu'il a mis au monde un bébé, effectivement, il y en a. Il dit, jamais. Il dit, mais là, m'a dit, alors qu'il m'a suivi quand même dans les réunions. Mais Dieu est bon. Et après, je vais pas rentrer dans les détails, peut-être si le Seigneur permet, je donnerai des détails après. Mais c'est parce que je vais rentrer dans la parole de Dieu. Mais c'est beau que vous compreniez pourquoi nous entrons dans cette parole de Dieu. Et alors après, il me dit, pasteur, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, en fait, je veux que vous puissiez prier pour mon fils ici. Je lui dis, mais si vous avez ici, il dit non. J'ai observé, j'ai regardé tout ça. Dieu ne m'a pas conduit à pouvoir aller avec mon fils vers quelqu'un comme un pasteur là pour appeler. Je priais Dieu qui m'accorde la grâce, que ce soit lui qui me donne qui il veut, pour que moi, qu'il soit vraiment un vase à lui,
pour qu'il puisse prier pour mon bébé ici. Je l'ai gardé. Et les églises où j'allais, effectivement, me voyaient, mais. Et Péniel, consacre ton enfant. Et je dis jamais. Alors, quand tu es venu, quand j'ai entendu, c'est là que Dieu m'a dit voici la personne. Je voudrais que tu pries pour mon enfant. Vous savez, c'est extraordinaire. J'ai pris l'enfant, l'enfant me regardait avec un regard doux. J'ai dit, cet enfant en particulier, si le Seigneur a pu faire en sorte que je puisse quitter mon pays là-bas et venir jusqu'ici pour pouvoir prier pour cet enfant, c'est que Péniel, Dieu t'a béni. Allez, il me dit, et mon fils qui suit, il s'appelle Jérémy, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit, c'est extraordinaire. Et je tiens l'enfant dans mes mains et je prie pour l'enfant. L'enfant ne tousse pas, il est tellement calme, il regarde tellement doux. J'ai dit, Dieu, tu aimes les hommes. Voilà comment Jérémie donc a été présenté au Seigneur. Et alors maintenant, quand on lui demande, il dit, mais on demande à sa femme, mais votre enfant, parce que vous êtes venu, mais votre enfant quand même, il faut quand même qu'on vous apprenne. Il dit, non, ça, il faut demander à mon mari. Parce que la femme sait que l'enfant a été déjà présenté au Seigneur. Il dit, allez demander à mon mari. Alors maintenant, allez poser la question à quelqu'un qui vous a fait comprendre déjà que pour lui, personne ne peut le faire d'une certaine manière ou d'une autre. Dieu travaille dans le cœur des uns comme des autres, effectivement. Des grandes choses que Dieu a eu à pouvoir faire, comme je disais tout à l'heure, que le Saint-Esprit a manifesté une telle puissance, une telle autorité, que toute l'assemblée entière a été rappelée donc à pouvoir prendre position pour les saintes écritures et les Jésus de la Bible. Que vous, peut-être, vous pensez que c'est l'habitude, ainsi de suite. Non, Dieu est en train de réveiller, en fait, ceux qui sont donc à lui. Bref, je rentrerai plus tard, peut-être, dans les témoignages. Je voudrais d'abord, avant qu'on lise les saintes écritures, que nous prions pour notre précieux frère, le pasteur Jean-Marie. Je viens à l'instant, donc, quand j'étais donc dans mon bureau, d'apprendre qu'il a perdu sa maman. Notre frère avait perdu donc son père, vous vous souvenez? Et je lui avais dit que je viendrais pour pouvoir quand même te voir aussi là-bas. C'était prévu quand j'ai dit de mon retour, effectivement, de l'île Maurice, mais je n'ai pas pu avoir l'occasion de le faire. Et là encore, doublement, je viens d'entendre que sa maman est partie. Ça m'a vraiment beaucoup attristé dans le cœur. Je prie que le Seigneur vraiment le bénisse. Il a pris aussi son avion, il est parti déjà en Afrique. Et je crois qu'il y a quelques jours de cela, et d'après ce que je viens de pouvoir entendre, la maman sera donc enterrée le mardi. Donc il est là pour ensevelir aussi sa maman, qui était aussi une croyante, une sœur aussi en Christ, puisque le papa l'était aussi. Donc c'est ainsi que sa famille l'est aussi. Toute sa famille qui est aussi restée à Paris. Et nous prions que le Seigneur vraiment le console. Vous connaissez la sœur Maria Paola? Vous connaissez aussi les enfants? Et il a ses enfants qui, vraiment, qui sont extraordinaires, merveilleusement, que Dieu a bénis. Et nous remercions Dieu pour cela. Et vous le connaissez quand même. Ils sont venus ici lui-même, vous le connaissez aussi. Vous savez, c'est quand même nos frères et sœurs qui font aussi partie de nous. Et l'Assemblée de Paris est aussi attachée à nous. Et ce qui leur touche aussi, nous touche aussi également. Il a perdu sa maman. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse les fortifier, les consoler, aussi soutenir aussi sa famille. Tendre Père et précieux Sauveur, me voici avec ton peuple devant ton trône de grâce pour te remercier aussi pour tes bienfaits, pour ton amour et ta bonté, pour ta grâce et tes compassions, mon Sauveur. Oh Dieu, tu es le consolateur, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Je me souviens combien tu étais aussi profondément attristé quand tu as eu à pouvoir voir cette maman qui n'avait que son enfant unique et qui était là allongé dans un cercueil. Tu as été touché, Père Tubissant, par compassion, par ton amour et tu as approché le cercueil et tu as touché simplement le cercueil, l'enfant était ramené, Père. Tu as fait de même aussi, Père Saint-Dieu, avec Lazare, parce que ce jour-là, tu pleuras, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu connais ce que c'est que perdre
Sandrine, un être cher dans sa vie, mon bien-aimé Père. C'est pourquoi je te prie, voir aussi consoler notre bien-aimé Frère. Père Tubissant, c'est ton serviteur, mon frère. Père Tubissant, Dieu, Jean-Marie, mon roi, que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu le soutiennes. Voici toute sa maison entière est consacrée à toi. Lui-même aussi consacré aussi à toi, mon bien-aimé Père, Dieu. Souviens-toi de lui, Père. La tristesse est aussi profonde, mon bien-aimé Père Saint. Il vient de perdre son papa. Il vient de voir aussi, Père, vient de perdre aussi, Père Tubissant, sa maman, Père Tubissant. Tous les deux sont donc partis. Et il est parti pour les ensevelir. Mon Dieu, bien-aimé Père Saint, Dieu, souviens-toi de lui. Je sais qu'il a foi, il a confiance en toi. Mais il a besoin de ta main puissante, mon roi, pour le soutenir, Père Tubissant, Dieu. Il n'y a pas longtemps que son père est dans la terre, mon bien-aimé Père, Dieu. Mais voici aussi, la maman est partie aussi, Père. Souviens-toi de lui, mon bien-aimé Père. Son épouse, ses enfants, l'église là-bas, Père Tubissant, que tu le bénisses, Père Saint, Dieu, que tu le fortifies, mon roi. Nous te demandons cette grâce, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, parce que tu es vraiment le consolateur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce sont des moments qui sont pénibles, effectivement, lorsque perdre un père et aussi une mère, en l'espace d'un temps aussi court, c'est toute son histoire qui s'en va. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir croire, effectivement, que tous ceux que nous avons aussi aimés, nous le reverrons. Et c'est cela que nous croyons, puis c'est pour ça que nous voulons toujours pousser et aider nos frères et nos sœurs, même dans nos familles aussi, à pouvoir vraiment avoir la véritable foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions aussi notre Dieu pour la joie que j'ai eue dans mon cœur, ce que j'ai entendu notre sœur Jackie, qui a eu à pouvoir avoir la nationalité. J'ai dit, oh là là, ça c'est la joie de mon cœur, j'ai dit. Et dit, Dieu est vraiment bon. C'est comme on doit chanter, il est bon, notre Dieu. C'est merveilleux. Que Dieu bénisse richement notre sœur Jackie. Ah oui, ça, c'est, cette sœur, elle a vraiment une foi. Elle a un témoignage et c'est toujours douloureux quand je la vois. Mais aussi, que je vous dis encore, ajouter, elle a toujours un respect. Quand elle vient me voir, peut-être, bon, je ne sais pas, moi, mais moi, je peux témoigner d'elle. Jamais cette sœur a eu à pouvoir, même dans des moments les plus difficiles. Et comme vous la voyez là, la sœur Jackie, elle a tellement beaucoup de respect et de considération que quand elle doit faire quelque chose, pardonne-moi, sœur. Et la sœur Jackie, même si elle doit faire une petite affaire à gauche et à droite, elle vient toujours voir le pasteur. Même si elle doit vouloir faire un petit voyage avec celui-ci, parce que la plupart des gens se disent, fait, mais sœur Jackie vient toujours. Et les pasteurs, je viens te voir, voilà, j'ai ça. Est-ce que tu penses? Est-ce que je peux que Dieu te bénisse? Mais pourtant, elle est libre de pouvoir prendre sa décision, de pouvoir prendre le gérer comme elle veut, effectivement. Dans tous les domaines, effectivement, la sœur Jackie, je n'ai pas dit que, bon, enfin, ça, c'est Dieu qui l'a conduit comme ça. Mais je peux témoigner, rendre témoignage. Et combien de la pression aussi, quand nous étions ici à l'époque aussi, avec les frères Jean-Claude, vous connaissez, non? Oui, Jean-Claude connaissait bien les frères, parce qu'il les connaissait avant moi. Ah oui, je parle de Jean-Claude Bill, hein? Il connaissait très bien, parce que nous avons un frère Jean-Claude ici. Donc, il connaissait très bien notre sœur, effectivement. Mais c'était un peu, vous savez, quelqu'un qui me prenait. Et quand ils sont partis en cassant tout ce qu'ils pouvaient casser ici, ils sont allés aussi le voir aussi. Et cette période-là, c'était aussi la période où notre sœur était. Vous connaissez ce qui s'est passé. Et la pression était, et ils voulaient aussi l'amener. Mais la sœur ne s'est jamais... ne s'est jamais déplacé pour aller. Même là-bas, il a toujours fait comprendre à eux l'erreur qu'ils ont commise. Parce qu'en fait, il était dans une situation où ils avaient besoin de voir, dire, bon, nous pouvons t'aider, effectivement. Mais malgré qu'elle a... Non, que Dieu te bénisse. Elle n'avait pas de séjour. Elle n'avait pas de travail. Elle souffrait avec les enfants. La sœur Jackie a pris position pour rester dans l'assemblée. On a vu comment cette sœur s'est battue. Sans séjour, hein. Des jobs à gauche, souffrant à gauche et à droite. Non, que sœur Jackie, que Dieu te bénisse. Moi, je suis heureux, ma sœur. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est un témoignage. Dans cette assemblée, tu as vraiment... C'est vrai que les gens disent, elle est comme ça, mais nous avons quand même un témoignage.
On a regardé quand même, je regardais quand même. Même si vous pouvez dire, mais je regardais quand même. Que Dieu te bénisse. Que notre Dieu soit béni. Il a consolé mon cœur. Il nous a consolés aussi. Tous ceux qui t'aiment sont heureux. Ah, il est vraiment bon, notre Seigneur et notre Dieu. Qui te bénisse richement et qui te fortifie davantage. À cela, ça me fait penser aussi à un témoignage. Comme ça, je rentre dans les... Vous avez le temps? Vous savez, quand on se déplace, vous ne connaissez pas la responsabilité qu'on a en fait. Il y a des gens qui leur vie est fixée là-dessus. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte, c'est une responsabilité que comme la sœur Carole et les frères Yvon, ils ont quitté le Canada. Pensez-vous qu'au Canada, il n'y a pas d'église? C'est leur pays, hein? Les églises, il y a des églises qui sont plus jolies que ça, vous voyez bien. Et puis, mais j'avais demandé qu'on mette un peu le froid, mon frère, sachez. C'est-à-dire que c'est le 16, c'est le 16. Et on ne peut pas... Et comment on doit faire? Est-ce que là, je commence à chauffer, hein? Bon, c'est rien. Ça va, mon grand, moi. Non, tu peux laisser vers toi. Ça va. Tu sais, parce que moi, ma voix, ça va. Oui, peut-être un peu là, mais il ne faut pas l'enlever plus chez toi. Bon, bref. Donc, pour dire qu'au Canada, ils ont de belles églises, des édifices. Vous sentez là-bas, vous sentez en confort. Et puis, on vous reçoit bien. Les gens sont. C'est vraiment joli. C'est vrai. Si vous avez l'occasion d'aller les visiter, quand même, même chez eux-mêmes, allez voir comment c'est chez eux-mêmes. Hein. Donc, vous pouvez aller. Ils vous attendent au Canada, non? Donc, maintenant, vous avez la voie ouverte, non? Et d'ailleurs, avant d'aller, je vous remercie beaucoup hein, pour les portes qui sont ouvertes. Ah là 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 là. J'ai été consolé. J'ai dit, Seigneur, que tu sois béni. Sœur, frère, qui avait reçu mon frère Yvon et la sœur Carole chez vous à la maison pour tout ce que vous avez fait, vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour cet amour. Vous leur avez démontré effectivement qu'ils sont les vôtres aussi. Hein. Et Dieu vous bénisse. Donc, voyez-vous, comme je disais effectivement, qu'ils habitent dans un pays avec les conforts possibles et puis des églises qui sont bien confortables, agréables, vous savez, les plafonds bien hauts et tout. Et là, mais ils quittent le Canada. Et il faut voir effectivement aussi dans quelle ville ils habitent aussi, loin encore. Et ils prennent l'avion pour pouvoir se retrouver avec vous dans cette assemblée. Posez-vous la question, moi ça va, mais qu'est-ce que cette sœur-là a eu à pouvoir trouver alors qu'elle vit au Canada? Bon, peut-être qu'elle peut être conduite dans une autre ville du Canada, l'église du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez comment Dieu fait des choses? Ça fait des années, et c'est Dieu lui-même qui a conduit cette sœur-là, qui cherchait, non, Dieu est grand. Sœur Carole était un témoignage aussi, hein. C'est merveilleux de voir. C'est pour ça que, vous voyez, quelqu'un avec c'est la même chose aussi avec mon précieux frère aussi. Parce que la détermination, non, que Dieu soit béni. Amen. Pour la première fois, je pense que c'était la première fois, il n'avait jamais pris l'avion, je pense. Hein? Voilà. Donc, dans son pays, son mari est resté là, mais son mari, et la femme se lève là et dit, non, je dois aller en Belgique. Mais qu'est-ce que tu vas chercher en Belgique? J'ai dit, Dieu m'a donné la grâce de vous avoir une... Non, que Dieu te bénisse, ma sœur Carole, que le Seigneur, mon Dieu, se souvienne de toi, qu'il te bénisse. Ah oui, elle était s'est levée, alors son mari la regarde, mais ma femme n'a jamais voyagé, il n'a jamais pris l'avion, que Dieu soit béni. Elle prend. Alors, ce que Dieu faisait avec elle, c'était pour réveiller son fils. Le frère Yvan, il dit quoi, quand il est resté, il dit non, c'est pas possible. Ma femme m'a laissé déterminée à prendre l'avion, aller dans un pays contré, déterminé. En fait, il ne connaissait pas tellement très bien, effectivement. S'il n'était que Bernard. Mais quand même, elle a pris sa valise. Ah, c'est touchant. Vous voyez, c'est une grande responsabilité. Vous ne comprenez pas cela. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas un jeu. Hein. C'est la vie de gens, en fait. Et ces personnes ont confiance et foi dans ce que Dieu fait au travers de vous.
Ils peuvent se déplacer dans différents pays, effectivement. Vous pensez à ça et vous pleurez tous les jours parce qu'ils disent, Seigneur, accorde-moi la grâce que je me tienne comme toi tu veux pour que ces âmes-là aient la... Vous pensez que c'est un plaisir, ah, je vais être là pour que je vois comment je vais prêcher. Non, c'est aussi un problème sérieux parce qu'il y a un jugement, puisque toutes ces âmes-là, c'est important que vous compreniez ça. C'est nécessaire. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose de tellement aussi important de pouvoir voir comment Dieu conduit les choses. Alors, comme je disais, comme je suis parti, effectivement, il y a des frères et des sœurs, des prédicateurs, des pasteurs qui ont confiance dans ce que le Seigneur m'a accordé comme grâce, effectivement, de voir ces ministères. Et quand ils ont parfois des problèmes très sérieux, ils appellent, bien que même étant loin, comme par exemple, on sait parfois me joindre de certaines manières. Alors, il y avait un cas, c'était assez sérieux, et ce cas était assez sérieux. C'est pour ça qu'on m'a appelé quand j'étais là-bas. Le pays qui est d'autre côté, effectivement, bon, ils savent me joindre, effectivement, c'était mon mot. Parce que parfois, ils ne savent pas. Bon, comme on n'avait pas annoncé que je me déplaçais, donc ils ont appelé. Donc, et c'était le cas d'un frère, je citerai son nom parce que il ne va rien faire. Et il me pardonne là. je peux? Amen. C'est bien de se retrouver, non? Alors le frère, c'est notre frère Jean-Jacques Ndala qui est donc à Brazzaville. Vous connaissez un peu, pour les anciens aussi, vous connaissez un peu l'histoire de frère Jean-Jacques, comment il était toujours accroché à moi depuis qu'il a eu à pouvoir expérimenter les choses de Dieu, même quand il est parti là-bas, ses témoignages restaient toujours en lui. Mais il s'est passé une chose. Le frère est allé donc s'amouracher avec une sœur, c'est-à-dire qu'il a voulu, pas il a voulu, mais il est allé pour épouser une femme, évidemment. Ça, c'est quand il était là-bas, il est allé, donc, il est allé voir la famille, et puis maintenant, il s'est présenté, ainsi de suite, évidemment, et la chose, je crois que, on lui a demandé de pouvoir venir maintenant avec les choses pour arriver à pouvoir d'abord concrétiser ce qu'il faudra concrétiser, et puis on passe par... elle est le mariage. Donc tout le monde, voyez, donc comprenez qu'effectivement qu'il est. Alors mais les problèmes, c'est que là-bas on m'a appelé pour me dire, frère, nous avons un problème, une situation ici qui nous préoccupe. Voudrions savoir effectivement ce que toi tu en penses et qu'est-ce qu'il faudra arriver à pouvoir faire. Vous savez, j'ai beaucoup de frères qui dont j'ai aussi la considération énorme. Et qui ont beaucoup de considérations aussi à mon endroit, en rapport avec la grâce que Dieu m'a accordée, une ancienneté aussi dans les choses qui concernent aussi le Seigneur Jésus. Il m'a dit, nous avons un problème. C'est important, je pense que ça peut servir aussi aux autres. Amen. Le problème est celui-ci. Notre frère, c'est vraiment un précieux frère. Et nous l'avons observé effectivement aussi à l'Assemblée, parce que les témoignages qu'il nous a rendus depuis que il a été avec toi, comment Dieu a eu à pouvoir agir, ça a cimenté sa foi. Donc ce témoignage est toujours resté en lui. Moi j'ai dit oui. Et alors, il s'agit en fait des tâches qu'on devrait, donc on a à cœur, parce que c'est de donner en fait la possibilité de lui donner la tâche dans l'Assemblée, effectivement, pour qu'il serve le Seigneur, puisque moi je suis là, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un pour assister dans cela. Et nous avons regardé le frère seulement, on voulait parler qu'il y a un petit souci. Alors moi, j'ai dit, quel souci a-t-il? Parce que le frère est allé pour épouser une demoiselle là, mais quand on observe, effectivement, on trouve que ça, c'est pas vraiment la chose. Parce que si quelqu'un doit assumer une tâche, il y a bien des conditions. Il doit arriver à pouvoir remplir. Mais quand on regarde effectivement cette demoiselle et comment les choses se sont passées avec elle, et il y a eu déjà un enfant, ceci, cela, ce que c'est, et ça ne remplit pas la condition de cela pour lui. Mais nous ne savons pas comment faire.
Parce que déjà, il est déjà parti et les choses sont allées telles que les parents sont déjà dans les conditions et que les choses soient faites. Alors, te demandons, toi, de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire les choses. Alors, j'ai posé d'abord la question de savoir jusqu'à quel niveau les choses sont. Et m'ont expliqué. Alors, je vais vous expliquer. Je vais quand même peut-être entrer. Peut-être que... C'est un peu dans le sens du mariage. Tout le monde est... Wow. Voilà. Voilà comment sont les choses. Le frère a demandé la main à la demoiselle. Alors la dame, et puis bon, la dame a eu à pouvoir dire oui. Et cette dame, en fait... Ah, je crois, un ou deux enfants. Comment est-ce qu'il a eu des enfants? Voilà que la personne qu'il a eu à demander la main, auquel il a donné aussi son consentement, vers laquelle aussi, cette personne-là est allée vers la famille avant, et la famille a dit oui. Vous pouvez vous marier, on est d'accord, il a donné sa dot, je peux donner la dot, effectivement, ainsi de suite. Et voilà que ils se marient. Vous m'entendez bien? Amen. Ils vont chez eux à la maison. Comme tout couple, on a toujours besoin d'un bébé. Vous êtes d'accord? Amen. On ne se marie pas pour rien quand même. Hein? C'est pour quand même avoir des enfants. Et voilà que le premier bébé qu'ils ont eu, problème. Bébé, un peu paf, le bébé meurt. On examine, on dit, ah, il y a un problème de sang. Le monsieur, son sang, il est virgule. La jeune dame, son sang aussi virgule. Donc, alors, avec un sang virgule, 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 if on se met toujours, on aura toujours le bébé virgule. En effet, vous comprenez ce que je veux dire? En effet, ils ont eu un bébé virgule. Quand le papa a appris que le monsieur avait les 100 virgules, et que sa fille aussi, avec lui, mettant aussi ensemble effectivement problématique, le papa a dit, ah, moi je casse le mariage. Vous me suivez? Amen. Le papa a dit, je casse le mariage. Et tu ne peux pas rester avec ma fille, donc il n'y a pas de mariage. Mais le monsieur dit, mais moi j'aime votre fille. La fille dit aussi, moi j'aime mon mari. Il dit, mais non, moi comme je suis le père, je casse les mariages. Maintenant je pose la question. D'après vous, le papa avait le droit ou pas de casser le mariage? Pourquoi il ne pouvait pas casser? Mais la dot, on l'a remet. Ah oui, est-ce que la dot, on peut la remettre? Ah ben oui. Ah ben oui, parce que si la famille du jeune homme qui a demandé la dot, il a demandé, ils ont le temps de dire, bon, remettez la dot. En Afrique, je pense que c'est fait, non? Parce que je vois c'est certains qui s'étonnent là. Mais non. Donc, ils peuvent lui demander, comme le feu, il a mangé la dot. Il dit, non, je vous remets la dot. Moi, je réponds ma vie. Alors, la question de la dot n'est plus là. C'est-à-dire que, bon, la dot est réglée, en fait. Le problème est celui-ci. Le mariage est établi par Dieu. Amen. Il faut qu'on comprenne, effectivement, comment le mariage doit se faire. Et à quel moment, effectivement, aussi, on peut rompre, effectivement, telle chose. Lorsque une jeune fille est dans la maison de ses parents, et qu'effectivement, il a donc rencontré des jeunes hommes, et qu'ils sont partis vers les parents, et que les parents ont donné leur consentement. Ils ont dit, oui, nous sommes d'accord, effectivement, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, ils ont vérifié, tout est OK, ils sont d'accord, effectivement, eh ben, alors ils viennent vers
les pasteurs, s'ils ont bien été là. Donc, pour prier, on prie donc, on finit donc maintenant pour les mariages. Maintenant, les parents ne peuvent pas revenir sur leur décision. Écoutez d'abord, s'il vous plaît. Ne peuvent pas revenir sur leur décision, à moins qu'il y ait une chose qui se soit passée, dont les Saintes Écritures démontrent qu'à cause de cette chose-là, alors effectivement, on peut casser. Prenez un exemple, par exemple, je donnerai un exemple. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vous allez commencer à voir. Mais vraiment, je vais dire ceci. Donc, s'ils ont donné leur consentement, à moins qu'il y ait une situation qui, dans l'entretemps, effectivement, qui se soit passée, qui ferait qu'effectivement que le monsieur a fait, a trompé, il y a des choses qui sont passées comme ça, je ne vais pas dans le détail, il a fui. Mais je ne vais pas dans le détail parce que j'ai dit je ne vais pas prêcher le mariage de vos. Allez, d'abord, je vais vous montrer. Alors, le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est que le papa, à cause du problème du sang, les tests sanguins, il brise le mariage. Mais il n'y a pas une raison fondamentale pour casser un mariage à cause d'un problème de sang. Si on a un problème de sang, de maladie, mais Dieu guérit. Donc ça, ce n'est même pas dans la liste de Dieu pour casser un mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur là et la femme sont toujours mariés. Le monsieur est parti, maintenant comme on l'a induit en erreur, il a épousé notre femme. Ah oui, c'est pas la faute du monsieur, c'est la faute de ceux qui lui ont induit en erreur. Évidemment, c'est aussi le problème des instructions, enseignements aussi. Alors j'ai dit, bon, maintenant, bon, et la femme? Et aussi, ce sont ses parents qui lui ont induit en erreur. Parce que ce monsieur-là, qui est toujours vivant, est toujours son mari. Parce que le monsieur l'aime, mais il n'y a pas eu de raison que, bon, regarde, entre nous deux, il y a des problèmes qu'on ne s'aime pas, le monsieur n'a pas dit, je l'aime pas, à ce moment-là, on peut comprendre. Mais là, c'est qu'ils s'aiment tous les deux. Alors, quand les gens s'aiment, pourquoi vous ne voulez pas les laisser se marier? Non, mais c'est quand même vrai, non? Puisque à moins qu'il y ait vraiment, si, comme cela veut dire, à cause des sangs, maintenant Dieu guérit, hein? Ah non, et c'est ça l'erreur que les parents ont commise à l'endroit de leur fille, effectivement, et qui est restée. Et maintenant, je dis, si cette femme-là va se marier, elle est comme adultère. C'est comme ça. Donc, on l'aime dans la condition, la femme, puisqu'il aime son mari, même si le mari est parti, il doit retourner vers son mari, arranger les choses. Bon, maintenant, ils ont compliqué les choses parce qu'ils ont été à gauche et à droite, évidemment, à cause de cette ignorance qu'ils ont eu. Donc, j'ai dit, donc voilà un peu la situation. J'ai appelé mon frère. Regardez très bien. Lui, son cœur est bien. J'ai dit, mon frère. J'ai dit, j'utilise ton nom pour vous puissiez comprendre. J'ai dit, mon frère Jean-Jacques. Il dit, moi, non, j'ai dit, ok. J'ai dit, voilà. Il s'agit en fait d'une chose que je voudrais te parler. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de respect et de considération. Que parmi nous aussi, effectivement, on commence à vous insulter derrière, même en dessous de l'esprit, en dessous des pensées, parce que vous considérez comme quoi vous avez peut-être un projet pour la personne. Vous comprenez ça? Oui, je connais ce genre de situation. Alors je lui ai dit, mon frère, voilà le problème. Ce que, en ce qui concerne les choses qui concernent Dieu, c'est le désir que on a remarqué que tu puisses avoir une tâche. Mais dans la condition dans laquelle tu te trouves, explique-moi d'abord effectivement comment c'est. Il m'a expliqué, voilà, j'ai été à la famille, il se fait ceci, je parlais, j'ai donné quelque chose, et puis évidemment, je crois qu'il faudra quand même, on n'a pas tout finalisé, mais on va quand même arriver à pouvoir faire ce comme ça. J'ai dit, mais voilà le problème. Le problème est celui-ci. La jeune dame là que tu vois là, que tu es allée pour demander la main, il est attaché, c'est une femme qui appartient à quelqu'un parce que ce que les parents ont fait, ce n'est pas conforme. Puis toi, tu vas prendre une femme comme celle-là. Et puis, il a déjà des bébés, effectivement, aussi, parce que les bébés, ce sont les enfants de l'autre, effectivement, de certaine manière. Alors, le mari, bien qu'il soit parti, il n'a jamais cessé de pouvoir aimer quand même sa femme, puisque c'est à cause de papa qu'il y a eu cette chose-là, effectivement, aussi. Donc, si toi, tu vas la prendre, tu prends la femme de quelqu'un. Bien que tu as dit que non, il m'avait expliqué avant, je connaissais qu'il avait des enfants, il dit, mais puisque tu n'avais pas bien compris les choses, je t'explique, J'ai dit, si tu la prends, tu prends la femme de quelqu'un, donc toi, tu as un problème.
Et puis, en plus de cela, dans les services, c'est nécessaire de pouvoir se mettre en ordre avec Dieu. Je ne vais pas dans le détail. Bon. Et puis, quand je dis je ne vais pas dans le détail, il ne faut non plus pas confondre comme on a mis ça comme si c'est une obligation. Donc, ce n'est pas une obligation. Bon, je vais dire, il faut que les choses soient claires. On dit qu'il faut qu'on puisse se marier seulement avec une vierge. Ce n'est pas une condition pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y en a des gens que Dieu a consacrés pour ne se marier qu'avec des vierges. Mais tous ceux qui disent, voilà, ce n'est pas généralisé. Parce qu'on a un frère, par exemple, je donne un exemple, j'ai un frère dans l'assemblée. On n'a pas seulement couru quand même, que je dois quand même marier avec des... Ça va vous choquer, mais c'est comme ça. Il n'y a pas que je veux, mais faut qu'elle soit une vierge. Faut que... Mais si la sœur a eu des accidents dans sa jeunesse, et qu'effectivement, que ce côté-là a été déjà ou pas, et puis, tu ne vas quand même pas quand même dire qu'il faut que je puisse épouser. Non, si Dieu a eu à pouvoir agir dans sa vie, qu'il te la donne, prends-la, parce que tu n'es pas un homme que Dieu consacré pour un tel service. Donc, il ne faut pas toujours, il me faut. Oui, si vous le désirez, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas que Dieu veut ça. Pour toi, Dieu n'a pas dit que c'est comme ça. Dieu a dit cela pour ceux qui le servent, effectivement, et c'est différent. Donc, il ne faut pas mélanger tout, effectivement. Si Dieu permet, je prie que Dieu m'accorde la grâce qu'on rentre dans le mariage et le divorce. Comme ça, ça va quand même clarifier beaucoup de choses et beaucoup des idées préconçues qu'on a eu dans la tête, effectivement. Et je crois qu'on pourra bien marcher, amen, si c'est sa volonté. Amen. Alors, je lui dis, vous voulez que je continue? Amen. Alors, je lui dis, mon frère, je voudrais te demander une chose. Il faut arrêter. Ça, c'est toi de faire le choix. Ou tu fais le choix pour Dieu, ou tu fais le choix, effectivement, pour la femme. Parce que ce n'est pas l'absolu dans notre vie. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Amen. La femme n'est pas un absolu. Et mari aussi, l'homme n'est pas non plus un absolu. Nous n'avons qu'un seul. J'espère que votre amen là, c'est vraiment un profond, avec reconnaissance. Nous n'avons qu'un seul. Et ça doit demeurer toujours le seul. Parce qu'il ne faut pas se pendre pour un homme. Il ne faut pas se pendre pour... Je voudrais me pendre pour... Enfin, pas me pendre, mais... Vous avez compris, hein? Amen. Pour celui-là, oui, je suis d'accord. Mais pas pour l'autre, Non, seulement celui-là. Alors, j'ai dit, mon précieux frère, et voilà ce que j'étais présenté. Je pense que, selon les Saintes Écritures, tu ne dois pas l'apprendre. Regardez ce qui s'est passé. Frère Jean-Jacques est resté silencieux, il me dit, frère Léonard, il dit, j'ai toujours eu confiance et je crois en ce que Dieu fait en toi. Le respect que je te donne toujours. Si toi tu me dis de ne pas prendre cette femme-là, moi je partirai dire aux parents, je ne la prends pas. Il dit, de maintenant là, je vais aller casser ce que j'avais commencé. Il est vraiment parti pour aller dire aux parents, non, je fais un mauvais choix et ce n'est pas conforme, effectivement, que je veux maintenant revenir aux choses de Dieu. J'attends simplement que Dieu me montre celle que je vais, que je dois épouser. Est-ce que vous l'aurez fait? Vous m'insulterez au bureau, là. Vous parlerez aux gens. Vous téléphonerez à gauche et à droite. Frères et sœurs, vous serez jugés. Frère Jean-Jacques n'est pas ici. Il est là-bas, loin. Mais quand je lui ai parlé, simplement dit que ça, il ne faut pas... Mais vous savez, dans le cadre de mariage, c'est le cœur qui s'est accroché, qui est là, vous aimez la personne, vous... et puis il a été quand même loin, aller voir les parents, et puis il se voit tout le temps, et puis dire que je veux accepter ce que tu m'as dit, que je vais couper. Il faut être un fils de Dieu. Examinez-vous vous-même, si un jour vous venez là-bas, je dis, bon, sœur, ne prends pas cet homme, si ma sœur, nana, ou frère, nana, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortirez dehors, ça va exploser. On parlerait de votre pasteur, qu'il n'est plus votre pasteur parce qu'il est quand même quelqu'un qui ne voit pas mon bien. Mais lui aussi, je lui ai dit cela, il a bien regardé, il n'a pas dit que tu ne vois pas mon bien. Il dit ce que tu m'as dit est correct et juste, je vais mettre cela en pratique. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi. Alors nous pouvons prendre les Écritures maintenant? Vous avez du temps? Ok. Lévons-nous, nous allons prendre l'écriture dans le livre des Hébreux au chapitre 1.
Que Dieu soit béni. Il est bon, notre Dieu. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit. Je ne vais pas vous garder très longtemps. Nous allons quand même lire les Écritures et c'est important. Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant donc le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification de péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Donc, devenu donc d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes à toi et nous te remercions. Je te suis vraiment reconnaissant de tout mon cœur, Père. Oh Dieu, pour les temps et les moments que tu nous permets de pouvoir nous retrouver. Aussi patient, oh Dieu, de voir combien tu es en train d'agir effectivement dans la vie de tes propres enfants, Père, pour le ramener véritablement à pouvoir prendre conscience et surtout qu'ils prennent des décisions. Père Saint, contre vents et marées, malgré, Père Tubissant, les conditions dans lesquelles peut se trouver, Père Saint, oh Dieu, je t'en suis vraiment reconnaissant. Nous sommes à toi encore ce matin, Seigneur, oh Dieu, ayant aussi entendu ces témoignages des gens, nous voulons aussi avoir un témoignage de notre vie, que quand nous entendons ta parole à toi, nous voulons nous soumettre, Père. Aide-nous, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, dispose nos cœurs. Que nos pensées ne soient pas comme nous le voulons, bien-aimé Père Tubissant, mais travaille dans nos pensées, afin que réellement que la porte soit ouverte pour que toi tu puisses vraiment s'aimer ta semence à toi, Père. Pardonne-moi aussi, mon bien-aimé, béni et sanctifie, parce que souviens-toi de nos corps ce matin, Père Tubissant, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avons aussi eu à pouvoir l'écouter depuis un certain temps. Et je pense que tout un chacun de nous a pu avoir effectivement aussi une vision quand même un peu beaucoup plus claire des choses qui concernent donc les seigneurs, parce que dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons, nous avons besoin effectivement de pouvoir comprendre les choses, pas avec notre compréhension naturelle, mais avec cette compréhension spirituelle, effectivement, que Dieu nous donne, effectivement, par son esprit, lorsque nous entrons, effectivement, dans les choses qui concernent Dieu. Parce que Dieu est esprit, hein. Et comme la Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, donc, et en vérité. Il y a une chose qui est très importante que nous devons donc comprendre, en fait. Ce que l'esprit, en réalité, doit dominer sur toute chose, en fait. Et c'est souvent ce qui se passe, effectivement, nous avons donc notre nature, effectivement, la chair, effectivement. Et quand la chair a plus d'impact, effectivement, et qu'il a plus de place, effectivement, alors c'est elle, effectivement, qui commence à pouvoir réellement agir. Alors, vous verrez très bien que les démons, les mauvais esprits, Satan lui-même a plus de facilité, effectivement, d'agir, effectivement, dans notre côté naturel. Donc, Satan agit vraiment très puissamment et fortement. C'est-à-dire que le côté charnel, effectivement, lui donne encore beaucoup plus d'aisance pour qu'il puisse réellement aussi agir. Plus on est charnel, alors plus les démons trouvent, effectivement, aussi leur baignoire dans lesquelles ils peuvent arriver à pouvoir se nager. C'est pour ça que la chair a des désirs contraires à ces dons de l'esprit. Donc, les choses que tu voulais pas faire, insulter quelqu'un, tu vas l'insulter parce que tu es dans la chair. Penser du mal de quelqu'un, tu vas le penser parce que tu es dans la chair. Mais quand tu es dans l'esprit, alors à ce moment-là, les choses sont différentes. C'est-à-dire que l'esprit contrôle tout, en fait. L'esprit domine sur tout, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, que quand on est dans cette position, effectivement, alors la communion avec Dieu, elle est tout à fait différente. C'est pour ça que c'est nécessaire qu'on comprenne effectivement que à quel moment, parce que souvent les gens disent oui, nous dirons et ça sera fait. Non, il faut quand même comprendre qu'effectivement que il faut qu'on soit amené dans une position de telle sorte qu'effectivement que quand je peux dire quelque chose, je prononce une parole, la parole s'accomplit. Et à quel niveau je dois être effectivement pour que cela puisse être. C'est pas en étant comme je suis effectivement aussi, en étant aussi charnel effectivement ou en étant toujours avec des pensées à gauche et à droite. Ça peut pas arriver. Non, parce que, à ce moment-là, c'est votre nature, effectivement, qui domine, en réalité. Alors, quand nous entrons dans les phases comme celui-ci, nous avons eu à pouvoir voir une chose. C'est que, dans l'ancien, dans la partie qui concerne, effectivement, l'ancienne alliance, la Bible nous fait savoir que le Seigneur avait eu à pouvoir, effectivement, établir une façon de pouvoir
travailler et d'agir effectivement. Et ça, je le répétais encore à maintes reprises pour que nos frères et nos sœurs comprennent cela très bien. Et c'est toujours dit, ça a toujours été pas ta décision, toi frère ou toi sœur, pour dire que je suis content de... c'est la décision de Dieu lui-même. Il dit que Dieu qui conduit les choses a décidé comme ça. Quand nous disons effectivement, comme il nous est montré ici, qu'autrefois, et je le répète toujours pour que ce soit vraiment en vous, autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, donc c'est-à-dire que c'est dans le passé cela. Dans le passé, on a mis l'accent sur le prophète. Non, c'est toujours dans le passé. Il n'y a pas dans le présent, effectivement, où Dieu met l'accent sur le prophète. Parce que, mais oui, c'est vrai, je répète encore, c'est dans le passé que Dieu a mis l'accent sur le prophète. Autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes, donc il a mis l'accent sur le prophète. Mais dans ces derniers temps, effectivement, dans cette phase, effectivement, particulière, la Bible nous dit qu'effectivement, que Dieu a changé sa façon de faire. Il nous a parlé, effectivement, pas par des prophètes. Mais il dit qu'il nous a parlé effectivement par le Fils. Alors vous remarquez très bien, mon frère et ma soeur, qu'il est parlé effectivement ici, l'Ancien Testament. Donc ça, c'est la première alliance que Dieu a eu à pouvoir établir effectivement avec son peuple. Et en parlant de la première alliance, regardez dans les Saintes Écritures ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Effectivement, je crois que c'est dans les livres de Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Et c'est au verset 1 que nous lisons d'abord une portion de l'Écriture. Il dit, la première alliance, donc vous devez, quand on parle de la première alliance, vous vous référez ici. Ici, donc, et ça. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. On précise bien que la première alliance ici, nous l'avons lu aussi une fois, mais je le répète encore. Il dit, mais cette première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Alors, on nous explique effectivement aussi comment c'était. Alors, regardez effectivement une chose qui est très importante. Quand on lit au verset 16, donc dans chapitre 19, verset 16, on peut l'avoir tout lu effectivement, ainsi de suite, on va dire oui, c'est cela, oui. Mais je peux peut-être venir à partir... à partir du verset 11, peut-être que c'est quand même mieux. Comme ça, vous voyez à peu près d'une certaine manière ou d'une autre. Parce qu'on nous a fait comprendre effectivement que c'était relatif au culte et le sanctuaire terrestre. Vous vous souvenez? Et c'est là qu'on a eu à pouvoir voir donc tout ce que nous avons ici, vu effectivement les souverains sacrificateurs et tout ça. Vous vous souvenez? Bon, c'est pour qu'on aille un peu plus vite. Alors, mais au verset 11, il nous dit... Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc, c'est exclu en fait, effectivement, les tabernacles terrestres qui est ici, dont l'alliance est donc établie par Dieu, effectivement, avec le peuple sur cette phase ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, on nous dit qu'il n'est pas construit de la main d'un homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Donc, déjà, on passe d'une dimension à une autre dimension. Ici, on est dans la dimension terrestre. Donc, c'est dit que Dieu a parlé, toi, par les prophètes. Donc, dans cette alliance ici, l'accent a été mis là-dedans. On va comprendre pourquoi. Mais il dit, mais non, c'est donc un tabernacle terrestre. Il dit, mais qui s'est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme? Il dit ceci, au verset 20, il dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc, et la cendre de vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, hein, combien plus... Vous entendez bien, non? La pureté de la chair, vous comprenez bien, non? Combien plus le sang de Christ qui, par un seul esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Maintenant, ce n'est plus la chair. Amen. On passe maintenant dans une autre dimension. Amen. Spirituelle. Il dit, présente-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant?
Maintenant, écoutez. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une quoi? D'une nouvelle alliance. Donc, je disais, ceci était la première alliance. C'est qu'effectivement, si c'est ici la première alliance, c'est-à-dire quand on parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il y a une seconde alliance. Alors, laissons écouter d'abord. Il dit, donc, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Vous entendez cela? Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car, prêtez attention maintenant, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit donc constatée. Je relis encore. Car là où il y a un testament, il est donc nécessaire que la mort du testateur soit donc constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Vous voyez-vous, l'Ancien Testament et le... Vous voyez bien? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut donc inaugurée. Donc, pour que ceci soit une alliance, il fallait qu'il y ait le sang. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, il fallait qu'il y ait du sang. Alors, ça, parce qu'il explique encore très bien ici, clairement, il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, tout le commandement de la loi, prit le sang de veau et de boue avec de l'eau et de la laine écarlate et l'hysope, il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le... Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc, vous voyez comment ça a commencé, cette alliance. Donc, il y a eu le sang. Donc, il fallait verser le sang. Mais maintenant, prenons Matthieu, mon frère et ma soeur. Matthieu, au chapitre 26. Chapitre 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit donc du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Vous entendez cela? Donc, il a été vraiment clair. Il dit, prenez, bon, ceci est mon corps. Il dit, et il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Donc, effectivement, vous avez bien dit, mais l'alliance, donc, quelle alliance, effectivement? Eh bien, ça, c'est la nouvelle alliance. Parce que les Saintes Écritures témoignent encore d'une certaine manière, nous démontrant qu'effectivement, qu'il y a eu donc la première alliance, et aussi, effectivement, aussi, donc, et la seconde alliance. De la même manière que celle-ci a été inaugurée aussi par le sang, et cette alliance aussi, effectivement, aussi, là, donc, la seconde, effectivement, c'est aussi avec le sang. Et il nous est dit clairement ici, effectivement, il dit, mais le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Donc, effectivement, elle vous amène dans une autre dimension, en fait. Parce que maintenant, nous voyons que là, il y a donc des alliances. Est-ce que vous comprenez? Alors, s'il y a des alliances, ce que les Saintes Écritures nous disent quelque chose, parce qu'il y a un rapport avec la première alliance, et nous disent ici, je pense que c'est dans le livre des Hébreux, je suppose que c'est cela, nous pouvons peut-être le trouver là, dans les livres des Hébreux. Voilà. Hébreux, c'est cela. Voilà. Hébreux au chapitre 8, je pense que c'est cela. Voilà, pardon, c'est cela, oui. Voilà. Il nous dit ici, Hébreux chapitre 8, verset 7. Vous suivez? Il dit, en effet, si la première alliance, c'est-à-dire celle-ci, est-ce que vous me suivez? Amen. Si la première alliance, donc la première alliance, c'est celle-ci, que nous avons dit tout à l'heure, avait été sans défaut, c'est l'écriture qui l'a dit. Donc, c'est que nous comprenons qu'il y avait un problème ici. C'est pour ça que nous comprenons aussi que dans les livres de... On va continuer la lecture. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, effectivement, ici, verset 1, on nous dit,
En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir est non l'exacte représentation de choses. Ne peut jamais, par le même sacrifice que nous perpétuellement, chaque année, amener les assistants où c'est. Or le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père est. Est-ce que vous me suivez? Alors il y a eu un problème ici. Là, à cet endroit. Parce que frère, c'est important que vous compreniez ces choses. Parce que vous avez tellement à pouvoir dire prophète au prophète. Et puis il est contre le prophète. Non, mon frère. Non, ma soeur. Vous croyez mal les choses. On vous a mal éduqué, pardonnez-moi l'expression, mal instruit. C'est que les gens vont se fâcher, mais c'est cela. On vous a mal enseigné les choses. Et même quand on lisait les brochures, effectivement, on a pris une mauvaise orientation. Parce que ce n'est pas le frère Branham, mais c'est vous qui avez été mal instruit par les gens qui ont interprété. T'es sûr? Parce que la vision que la plupart des temps, je dis, c'est triste frère, parce que je viens d'un voyage, j'ai vu des choses aussi horribles. La vision que vous avez, quand on ne parle pas de Branham, vous ne vous sentez pas à l'aise. Et c'est vrai ça. Mais vous avez été vraiment instruit depuis je ne sais pas combien d'années. La chose est rentrée tellement en vous que vous ne voyez que prophète. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne voit que l'âge de la Odyssée, rien que prophète. Je vais aller un peu beaucoup plus loin, frères et sœurs. Vous voyez, va voir moi l'image du chandelier. Si tu l'as encore, effectivement. Je veux que vous voyez quelque chose. Voilà, j'ai quitté. Mon frère Jonas, dans mon impère, là, il y a encore un autre. Si tu peux, si ça fonctionne bien. Ah, c'est bon. Regardez une chose. Souvent, ce que nous avons, on a toujours cette image qu'on nous a donnée ici. Je sais que chacun de vous connaît ça par cœur. Alors, nous allons observer quelque chose. Qu'est-ce que nous voyons ici? Les âges de l'Église. Vous savez très bien, on dit bien cet âge de l'Église. Mais vous le connaissez déjà. Il n'y a pas cet, il n'y a pas cet âge. Il n'y a pas cette Église, pardon. Mais il y a cette période qui est la seule et unique Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la seule et unique, parce qu'il n'y en a qu'une église. Mais cette église-là, elle passe par des périodes. Première, deuxième, la même. Amen. La même église. Alors, vous devez savoir effectivement d'abord, quand est-ce qu'il a commencé? Et à quel moment il a commencé cette église? Parce que le Seigneur a dit, mais je bâtirai mon église. Ce n'est pas un prophète qui pouvait le bâtir. C'est pas, non, non, ce n'est pas un prédicateur. Non, non, non. Il dit, moi, l'Éternel, moi, Jésus, il dit, je bâtirai mon église. Sans l'intervention de quelqu'un, mon frère. Donc, il est lui-même l'auteur, lui-même le conducteur, effectivement, c'est son église. Et il fait ce qu'il a envie de pouvoir faire. Il n'a pas besoin d'un conseil de qui que ce soit. Il n'a même pas besoin de personne. Mais c'est lui qui conduit les choses, effectivement. Parce que c'est lui qui donne des ministères, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous voyez ici effectivement qu'il y a donc l'âge d'Éphèse, Smyrne, effectivement, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et puis la Odyssée. Et ce qui se passe effectivement, c'est que nous voyons que dans cet âge de la Odyssée, on nous voit que William Branham ici. Posons-nous la question, effectivement. Ça c'est quand même important. Pourquoi toujours William Branham? Vous êtes de ces personnes-là qui, souvent, quand on parle pas de lui, les pasteurs s'égarent, effectivement. J'en ai entendu des choses maintenant. Depuis que je commençais à pouvoir apporter cette parole, je crois qu'on voit des visions. Je ne sais pas montrer que je suis égaré. Je m'égare, effectivement. Je voudrais que vous me montriez là où moi je me suis égaré. Venez avec la Bible. Asseyez-vous. Même avec vos brochures, vous pouvez les amener. Parce que c'est avec vos brochures que vous vous embrouillez. Ce que vous avez oublié, j'ai dit, c'est ça le problème, c'est bon, on va y arriver, que Dieu nous aide effectivement pour cela. Vous avez oublié beaucoup de choses, frère, vous écoutez mal. Regardez, je vais quand vous montrer cela. Regardez très bien. Quand vous voyez ça, vous voyez donc effectivement que, et vous voyez le messager, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, et c'est vide. C'est pas moi qui ai mis les vides. Parce que cette partie-là, ça pose des problèmes dans la pensée des gens. Vous voyez, c'est pas moi qui ai fait ce dessin.
J'ai repris quand même le dessin. Ici, Wesley, on est sûr. Mais là, on se pose la question. C'est pas le frère Léonard qui a dit. C'est lui-même qui a fait les dessins ici. Maintenant, je vous pose une question. Cette église-là que vous voyez, c'est quand même l'église de Jésus-Christ. Donc, c'est quand même lui qui l'a bâti. N'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce que vous voyez ici au-dessus? Ça, ça veut dire que les étoiles, les messagers. Vous avez remarqué comment ces étoiles sont disposées? L'étoile ici au-dessus, 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 l'étoile ici au-dessus. Vous me suivez? Amen. Donc ça, ce sont donc des messagers. Ça veut dire que dans chaque âge, donc au-dessus, se trouve l'étoile. Dans chaque âge, il y a toujours une étoile. L'étoile en question, ce sont les sept messagers. Vous me suivez? Je veux que vous me suivez très bien, que vous compreniez. Sœur, ne dors pas, c'est important, parce que souvent, on se plaint, on ne comprend pas tellement très bien. Je parle doucement. Et quand même, par la grâce de Dieu, c'est ça que vous puissiez, si vous avez quand même quelque chose de Dieu en vous, vous deviez comprendre. Je vais doucement. Ne soyez pas distraits. Alors, quand vous observez ceci, c'est que, exactement, l'étoile est au-dessus de l'âge. Normalement, en principe, c'est un rapport avec chaque âge. Donc, on a cette étoile, puis on a ça ici. Mais l'image qui est dégagée ici, c'est une image qui est fausse. Vous m'entendez bien? Ça vous donne toujours l'impression, quand vous regardez, qu'au-dessus de chaque âge, c'est toujours le messager qu'il faut se référer. Maintenant, prenons les Saintes Écritures. Dans les livres d'Apocalypse. Et puis, pour que nous allons lire. D'abord, vous savez une chose. Votre attention, s'il vous plaît. Je sais que je suis un peu d'entrée, mais on a encore le temps. Regardez une chose. Vous savez que ceci est l'Église de Jésus. Vous me suivez? L'église du Seigneur Jésus-Christ, vous derrière, vous me voyez aussi? Vous voyez bien? L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a qu'une seule église, c'est-à-dire c'est son corps. Alors, si c'est son corps, c'est qu'il n'y a pas de tête. La tête, c'est qui? Vous entendez? Ce qui est au-dessus, donc c'est la tête de Jésus qui doit être au-dessus. Est-ce que vous me suivez? Alors, ces étoiles ici, ils sont où? Prénom. Apocalypse chapitre 1. Je vais lire un peu beaucoup. Alors, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » À Éphèse, à Smyrne, à Pérame et à Thyatire et à Sardes et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était donc la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de sept chandeliers, vous entendez bien? Amen. Au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait, écoutez bien, dans sa main droite cette étoile. Cette étoile, les sept étoiles n'étaient pas ici. Mais il dit que, vous vous suivez? C'était dans sa main droite. Mais qui était au-dessus de l'église, effectivement? Mais c'est lui.
Est-ce que vous comprenez? Parce que vous pouvez dire, ah, le frère interprète, je n'interprète rien. Bon, nous continuons maintenant. Il dit quoi? Il avait dans sa main droite. Vous ne pouvez pas me dire que la main droite est parmi. Non, non, il dit, mais il tient bien, il dit, il avait dans sa main droite. Lui était au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit ceci, il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier. Est-ce que vous comprenez? L'alpha et... Voilà. Il dit, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue, où c'est? Où c'est? Et de sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est nécessaire que vous réalisez cela. Regardez d'abord une chose. C'est pour ça que je pose la question. Je dis, mais pourquoi toujours, vous devez toujours que frère Branham, frère Branham, frère Branham, frère Branham. Maintenant, regardez une chose. Vous savez ce que c'est qu'un chandelier? Je pense que, si vous permettez, vous me donnez du temps? Amen. Nous allons peut-être prendre dans Matthieu, je suppose que je suis peut-être là. Dans Matthieu, on pourra le trouver. Voilà. Ainsi que sinon, que si on peut. Donc je pense que c'est possible, je suppose que c'est cela. On a que sinon, que tu vois. Voilà. Matthieu au chapitre 5. Nous lisons avec vous au verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Vous savez que nous avons la lune. Vous me suivez? Amen. D'où vient la lumière de la lune? Vous pouvez même demander les scientifiques. D'où vient, vous pouvez lire, hein? D'où vient la lumière de la lune? Que Dieu te bénisse. La lumière de la lune, elle vient du soleil. Donc, maintenant, si le soleil s'éteint, est-ce que la lune pourra donner de la lumière? Donc, en fait, la lune en soi, elle n'a pas de lumière. Donc, la lumière de la lune vient donc du soleil. Donc, c'est le soleil qui laisse là la lumière. Est-ce que vous comprenez? Nous prenons dans 1 Jean, Jean chapitre 1. Jean au chapitre 1, nous lisons ici. Voilà. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière de... Donc, c'est dans la parole, donc, qui se trouve, donc, hein, donc, et c'est manifeste, effectivement, cette vie-là, manifeste, effectivement, par la lumière qu'elle donne, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très bien. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était... Qu'était-il, Jean? C'était un messager. Je vous enverrai Élie, les prophètes. On se référait à Jean. Vous vous souvenez?
La première partie, bien sûr, se référait à Jean. Donc on incite effectivement en posant cela, c'est très important. Il dit, mais il y a un homme, il dit bien, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à quoi? Et la Bible dit, écoutez bien, afin que tous crussent par lui, il n'était pas quoi? Mais il parut pour en témoigner à quoi? Donc Jean, même s'il était le plus grand de tous, Jean n'était pas à la lumière. Il est venu pour un témoignage à la lumière. Donc quand vous me voyez, c'est que je suis éclairé par la lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Ceci est très important, frère et sœur. C'est important, mon frère, c'est important, ma sœur. Il faut qu'il y ait un lavage, c'est nécessaire. Parce que maintenant, je vous ramène ici au chandelier. On nous dit qu'effectivement, nous l'avons lu effectivement dans Matthieu chapitre 5. Si on nous dit que nous sommes, vous êtes la lumière, c'est pas que nous sommes la lumière, mais c'est parce que lui, il est la lumière. Vous avez maintenant compris cela? Parce qu'on peut dire, ah frère, non, c'est lui qui éclaire, la seule lumière, c'est lui. Il a dit bien, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le, mais il aura la lumière de là. Voilà! Comprenez bien les Saintes Écritures, mon frère. C'est important cela. Parce que tout vient de là. Non, maintenant, on dit effectivement qu'il n'était pas la lumière. Mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Donc, quand nous regardons le chandelier, on dit on n'allume pas le chandelier, on ne dit pas la lumière pour le mettre sous un boîte. Je pense que c'est la première. Mais là, nous allons le dire quand même parce que bon, c'est nécessaire. Regardez bien. Vous avez du temps? Amen. Ok, nous allons quand même accélérer. Alors, il dit, verset 15, dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont donc dans la maison. Donc vous comprenez les boisseaux, c'est quoi, par exemple? C'est dit que bon, c'est quand vous prenez la lumière, vous le mettez en dessous. Et c'est dans la maison, effectivement, la maison est tout à fait ténébrée, c'est tout sombre. Mais quand on allume la lumière, on doit la mettre ici. Et c'est cette lumière-là qui va éclairer la maison. Est-ce que vous suivez? Donc quand on regarde ici, ça, c'est un chandelier. Alors, vous savez, les chandeliers, on ne les met pas pour une décoration. Non, on les met pour éclairer. Alors, c'est pour ça que même dans l'ancienne alliance, la première alliance, il était, oh, tu dois prier pour l'enfant. Mais je le ferai tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça. Oui, ça, c'est le Seigneur est merveilleux. C'est ça. Il faut me rappeler, mon grand, que je dois prier pour les petits. Et c'est bon comme ça. Alors, c'est que, quand le feu a été allumé, ce n'était pas un feu étranger. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les fils vous étiez Élie, je pense. Oui, donc ils ont amené un feu étranger. Et vous vous souvenez cela? Je pense que ça, ils ont été tués, en fait, parce qu'ils n'ont pas veillé sur le feu, parce que c'est Dieu qui a allumé ce feu-là. Et le feu de l'église, parce que c'est comme ça, donc, l'église, quand elle a commencé, c'est la lumière qui s'est allumée, non? Qui a allumé ce feu-là? C'était pas Pierre, c'était pas Jean, c'était pas notre apôtre. Non, il dit, mais allez attendre la chambre haute. Vous recevez une puissance venant d'en haut. Pas des églises, pas des hommes, pas des prédicateurs. Non, une puissance venant d'en haut. Et c'est là qu'ils vont connaître. Et c'est comme ça, quand ils étaient ensemble, ils étaient tous ensemble, dans un lieu, comme des grands bruits, effectivement, puis des langues, comme des langues de feu, sont descendues. C'est comme ça que l'église a commencé. Avec le feu, avec la lumière, effectivement, pour éclairer les gens. Et cette lumière, ce feu, effectivement, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, effectivement, c'est Jésus qui est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc là, quand on est dans l'âge, effectivement, c'est lui qu'on a. C'est la lumière qui éclaire dans cet âge, effectivement. Il n'y a que la seule lumière. Amen. Donc c'est elle qui est donc au-dessus. Et c'est cette lumière-là qui est très bien. Quand on allumait les chandeliers, on partait avec la première. Ici. On ne prenait pas une autre lumière pour allumer ça. Non, celle-ci. On la prend, elle passe là. Celle-là, elle passe là. Celle-là, elle passe là. Celle-là, elle passe ici. Celle-là, elle passe ici. Celle-là, elle passe ici. Maintenant, si maintenant on considère que ce sont les messagers qui sont importants, donc on doit prendre Paul, le faire passer ici. On prend encore Paul, le faire passer ici.
Encore Paul, parce qu'il est Paul, c'est lui qui a commencé ici. Donc là-bas, donc jusqu'à la fin, on n'a que Paul. Est-ce que vous me comprenez? On dit, mais c'est pas possible, mon frère. Parce que Paul, lui, il est mort. Alléluia. Il faut quelqu'un qui est permanent. Alléluia. Oui, mon frère. Vous détestez mon Jésus pour rien, frère. Frère et soeur, vous êtes maudits, frère. Si vous n'aimez pas, c'est Jésus, mon frère. Je ne sais pas où vous pouvez. Frère, je ne sais pas de quel croyant vous avez, quelle foi vous avez. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Les diables, c'est pour ça que le Seigneur a dit cet âge, il serait un âge très difficile. Et vous êtes tombé dans les pièges. Croyant que vous avez reçu, et que, en disant, William, pour les prophètes, a dit que c'est la, ce n'est pas ça de Dieu, frère. Il n'y a que la parole qui a commencé d'ici, là. Oui. Et quand on allume la lumière, on la met au-dessus, tout le monde voit la lumière. Mais vous voulez cacher la lumière en mettant William Branham? Non, c'est la lumière que tu dois voir. Quelle est cette lumière? Mais c'est Jésus, monsieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Il est le seul, monsieur. Là, c'est lui. Ici, c'est lui. Là-bas, c'est lui. Là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Mon frère, ma soeur, sortez du branhamisme. Sortez de la vie. Revenez à Jésus le Christ. Il est le maître, il est le chef, il est la vie éternelle. Le salut, mon frère. Alléluia. Lève-nous, mon frère. Tendre Père et précieux Sauveur, je voudrais te dire merci encore pour ce jour que toi, tu nous donnes, mon Sauveur. Tu nous fais entrer dans des choses tout à fait particulières. Et nous te remercions, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu nous y entraînes par ta grâce, mon roi. Nous sommes vraiment heureux et nous sommes consolés parce que tu es vivant, Père. Les Écritures montrent que toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, oh, tu as dit, je suis l'alpha et l'oméga. Oh, personne, il n'y a aucun homme, aucun être, Père, tu dis ça. Oh, aucun ministère qui peut... Parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, mon roi. Je te remercie encore. Je te loue de tout mon cœur pour ta grandeur, mon roi. Béni soit ton nom encore aujourd'hui, Père. C'est toi qui ramènes le cœur de ton peuple à toi. Tu l'as fait, tu le fais encore. C'est vrai que nos yeux ne voient pas, mais ce n'est pas un homme, mais c'est toi, mon béni. Je t'en suis reconnaissant, mon roi. Ramène-nous encore davantage, mon Père. Nous voulons prendre position pour toi, mon Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, mon béni, Père, oh Dieu. Revenir à toi, mon béni, Père. Respecter tes serviteurs, mais revenir à toi, mon béni, Père, oh Dieu. Tu es le seul que notre cœur doit chercher. Le seul que ma bouche publiera, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Louange et honneur à toi. Tu es vraiment l'auteur de la vie éternelle. C'est toi qui as souffert. C'est par ton sang que la nouvelle alliance a été inaugurée, mon bien-aimé Père. Le sang des taureaux et des boucs, mon bien-aimé Père, tu oh Dieu. Les sacrifices, effectivement, sous la première alliance, vous jamais amené. Oh, Père, tu en contre la loi. Père, c'est parce que tu es réellement Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Merci, Sauveur. C'est toi qu'on doit présenter aux hommes. C'est toi qui éclaire, c'est toi qui transforme nos vies, bénémoine Père, tu dis, Dieu, ta parole à toi. Change nos vies, mon bénémoine Père, Dieu, ta parole à toi. Nous amène davantage, Père, tu dis, Dieu, à être conforme à toi, mon bénémoine Père, Dieu. De victoire en victoire et de gloire en gloire. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons être éclairés par toi, mon bénémoine Père, Saint Dieu. Nous ne voulons que toi, mon Seigneur. Tu es le parfait. Tu nous connais mieux qu'il connaît Père, Dieu. Tu connais ce que c'est que la perfection. Comment nous y amener, mon bénémoine Père, Saint Dieu? Comment nous y conduire, mon bien-aimé Seigneur? Oh, nous te remercions. Je t'en suis vraiment reconnaissant pour ce que tu fais. Merci. Merci, oh. Maître béni, à toi la gloire. C'est toi qui le fais. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous fortifie. Nous sommes heureux. C'est avec une grande reconnaissance encore aujourd'hui de pouvoir vraiment te servir, mon Sauveur. Merci. Merci, mon roi. Merci, mon Père. Merci, mon Seigneur et mon Sauveur. Garde ton peuple, qu'il reste accroché à toi. C'est vrai, c'est une secousse, mon roi. Tu nettoies ceux qui sont à toi et seront épurés, mon bien-aimé Père Dieu. Il n'y a que toi qu'on doit retrouver, Seigneur.
C'est comme l'or qu'on est pur et je t'en suis vraiment reconnaissant. Soutiens-le, ils sont aussi jeunes, ils sont aussi un âge percé en Dieu. Puisses-tu les aider encore davantage à réaliser le privilège que nous avons de pouvoir t'avoir et de nous ramener, de nous positionner ainsi, mon bien-aimé percé en Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Guéris les malades, mon bien-aimé Père. Soutiens ceux qui sont dans les découragements. Élève les faibles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je te remercie pour cela. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Car nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous restez debout. Notre frère Jean Bosco et notre sœur qui amènent leur enfant. Comme ça, nous allons nous présenter aussi au Seigneur. Et vous savez, je vais vous rendre un témoignage. C'est plutôt eux qui devaient vous rendre ce témoignage. Que Dieu te bénisse. Et, oh là là, c'est merveilleux. Ah, Ruth est là, j'ai dit. Ce sont des beaux enfants. Hein. Compte les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien. Dieu est vraiment merveilleux. Amen. J'étais loin, dans le contrée le plus lointain, là-bas. Et j'étais au milieu de la nuit, je pense, c'est pas quelles heures. Et le Seigneur poussa à pouvoir me réveiller. Et là, c'était le cas de notre sœur Dorcas. Alors il m'a dit, mais l'enfant va venir aujourd'hui. Et ils t'ont demandé une chose, c'est qu'ils ne veulent pas donner un nom à l'enfant, ils veulent que toi tu donnes le nom à cet enfant. Et c'est aujourd'hui que l'enfant va venir. Je me suis levé, je me suis mis à genoux, je priais. Et puis j'ai pris des téléphones, j'ai appelé madame, j'ai dit, tu veux bien appeler Dorcas parce que j'appelle Dorcas. Je n'arrive pas à pouvoir avoir le téléphone, c'était le même jour. J'ai dit, appelle Dorcas, si tu n'as pas la voix parce que son téléphone est fermé, appelle Jean Bosco. Et je crois qu'il a eu appelé Jean Bosco, mais il n'a pas eu au téléphone. Et puis, il m'a dit que non, je ne les ai pas eu. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais à un certain moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, où j'ai reçu un coup de fil. Je ne sais pas si Jean Bosco m'avait appelé. Je crois que dans l'entretemps, il avait appelé, je n'avais pas vu l'appel. Pendant que moi je l'ai cherché, lui cherchait à pouvoir m'atteindre aussi au téléphone. Et alors je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, en tout cas, moi j'ai dit, comment ça va? Il dit, ça va, mais là nous sommes à l'hôpital et en travail. J'ai dit, Dieu soit béni. Amen. Et c'est pour ça que je t'ai appelé demain, mais je ne vous ai pas eu au téléphone. Il dit, mais pendant que toi tu nous appelais, nous t'appelions. Donc, alors j'ai dit, et comment ça va? Il dit, ici, elle est dans le travail. J'ai dit, ok, le Seigneur m'a conduit à pouvoir vous appeler. Je ne savais pas qu'il était déjà à travers, c'est que lui, il savait. Et vous m'avez demandé, parce que tous les deux ici, ils vont vous rendre ce témoignage eux-mêmes aussi. Je ne cherche pas à pouvoir faire quelque chose dans la vie des gens. Je sais que beaucoup de gens ont des pensées bizarres. Enfin, à mon endroit, il veut faire ça pour dominer, je ne cherche jamais rien. Il est là, ils sont là. Moi, je n'ai jamais demandé, appelez-moi, que je donne le nom à votre enfant. Je vous ai demandé ça. Il peut te vous rendre ce témoignage. Il dit que je priais Dieu. C'est lui-même. Il a prié Dieu. Sentez qu'il dit, c'est lui qui doit. C'est vrai. C'est donc moi qui devais arriver à pouvoir. Est-ce qu'ils ont un respect? Et lui, il sait que Dorcas, c'est vraiment l'enfant que j'aime beaucoup.
Et ça, il sait d'ailleurs ici, et c'est pour ça, il dit, votre amour avec votre peuple, moi je ne suis pas dedans. Et, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein? Il dit, je suis heureux que vous vous aimez comme ça, parce que moi j'entre dedans. Donc Dorcas disait que moi je ne vais pas accoucher tant qu'il n'est pas là. Ah oui, oui, Dorcas, j'ai dit non, tant que tu n'es pas là, moi je vais pas, je vais accoucher quand tu viens. J'ai pris le téléphone, j'ai dit non, va accoucher, va à l'hôpital, va accoucher, ouais, Seigneur, je suis ici, je prierai pour toi. Il faut que tu vois et que tu sois là, que je te vois. Alors j'ai dit non, ne retiens rien du tout, laisse sortir. Bon alors, les jours où le Seigneur m'a conduit à pouvoir l'appeler, c'est parce qu'il m'a donné le nom. Oui. Et j'appelais donc pour savoir où est-ce qu'elle était, si elle était à la maison, il dormait, peut-être en train de dormir. Il dit, nous, nous sommes là. J'ai dit, ah, je comprends maintenant pourquoi il m'a dit qu'il faut que je vous appelle, que le bébé est en chemin. Alors j'ai dit, voici donc le nom que le Seigneur a voulu que votre enfant puisse porter. Et vous savez, c'est extraordinaire. Parfois, vous ne pouvez pas me comprendre. Je n'avais même pas lu ce nom dans la Bible. Je ne savais même pas que ça existait. Mais on me donne le nom. J'ai dit, Seigneur, je vous dis, Dieu que je sers. Frère, vous pouvez penser des choses que vous voulez. Je vous ai toujours dit, j'ai dit, quand vous voyez, vous ne vous réalisez pas ce qui se passe, effectivement. Dieu que je sers, et c'est vrai. Alors, j'entends les noms dans mes oreilles. J'ai dit, et puis bon, j'ai appelé. Mais quand j'ai pris maintenant, j'ai commencé à pouvoir vérifier, mais j'ai trouvé que ces noms en question que j'ai donnés, eh bien, c'était donc dans les Saintes Écritures. Et vous connaissez les noms. Alors, regardez très bien. Alors maintenant, j'ai dit à Dorcas, je lui ai dit, voilà ma chérie, tu m'avais demandé. Et là, il était content, il était en train de tendre l'oreille, il dit, voici le nom que tu m'as demandé de pouvoir donner à ton enfant. Et il était content, il s'est réjoui. Il dit, je ne pouvais même pas arriver à pouvoir avoir le nom parce que je savais que Dieu allait te donner le nom. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis que ce nom lui soit donné. Maintenant, elle devait maintenant arriver à pouvoir faire sortir l'enfant. Là, les combats ont commencé. Donc, pendant que vous étiez ici, moi, là-bas, j'étais en contact avec eux. Parce qu'ils ne pouvaient pas me lâcher. Donc, tous les... J'étais toujours au téléphone. Ils sont là. J'ai assisté le bébé jusqu'à l'accouchement. Oui... Donc, quand je disais, ne peux pas me lâcher, je ne me coupe plus, il reste là. J'ai dit, moi, j'ai continué, non, reste là au téléphone. Eh bien, je suis resté au téléphone. Et puis, à un certain moment, parce que je devais me déplacer un tout petit peu, puis je dis, je reviens. Et puis, le médecin avait dit, madame, mais le bébé ne sort pas, il faut maintenant qu'on passe par césarienne, tout ça. Donc, on mettait la pression et tout ça. Il dit, mais sinon, l'enfant va voir. Vous connaissez comment on fait à l'hôpital. L'enfant va voir. Alors, bon, on dit, bon, voilà, si c'est comme ça, fait. Donc, quand il dit, moi, césarienne. S'il faut souffrir, je crois que comme on a prié là, le Seigneur va donner mon bébé. Je vais. Le médecin sont venus, on l'a convaincu, Dorcas ici que vous voyez. Il dit non. Il pleurait. J'entends, il pleure. J'ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Je me suis mis à genoux. Et là, je vais vous dire vrai. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, cet enfant, il a témoigné qu'il a la foi en toi. Maintenant, fais quelque chose. Que l'enfant sorte. Ça n'a pas pris de temps. Le bébé est sorti. Il a vraiment la foi, cet enfant. Mais il faut dire que c'est vrai que quand vous ne l'avez pas vu, il a travaillé longtemps. Ce bébé-là l'a déchiré parce qu'il est du bébé, vous foutez. Vous avez même dit, on va déchirer pour faire sortir. Il a dit, non, jamais, je vais rester jusqu'à ce que le bébé sorte. Et le bébé est sorti. Et alors, vous savez comment, ce qui veut dire effectivement Eliel. Tu connais, non? Tu connais, non? Tu peux nous dire ce que ça veut dire? Ah, mon Dieu est le vrai Dieu. Elle a témoigné cela en accouchant. Donc son bébé là que vous voyez là, c'est historique. Que le Seigneur vous bénisse. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras. En adorant, combien le nom est. Notre Père Céleste est notre Dieu. C'est vraiment un témoignage de tenir cet enfant dans nos mains. Je priais, j'ai dit, Seigneur,
Accorde-moi cette grâce de pouvoir tenir ce bébé dans mes mains. Ton fils a vraiment la foi. Et ta fille a vraiment la foi. C'est-à-dire qu'ils ont témoigné carrément que tu étais le vrai Dieu. On les a poussés, obligés même par du bisson pour pouvoir passer par... Non, ils sont restés fermes dans la foi. Que Dorcas soit béni, Père. Amen. Que Jean Bosco soit béni. Amen. Pour leur amour, leur espère, la confiance en toi, mon bien-aimé Père Dieu. Père, oh, que ton nom soit béni. Pour cet enfant Eliel, mon bien-aimé Père. Qu'il soit béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu es vraiment le Dieu qui aime les enfants, Père Saint-Dieu. Que ta bénédiction repose cet enfant, mon bien-aimé Père, tu es Saint-Dieu. Qu'il grandisse, effectivement, Dieu, qui porte réellement, Père, tu es ce nom, avec courage, mon bien-aimé Père, tu es Saint-Dieu. Que ça soit un témoignage aussi dans sa pauvre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ses parents soient bénis, mon bien-aimé Père. Seigneur, que cet amour reste encore puissamment et ferme aussi, maintenant, dans leur masse, mon bien-aimé Père, tu es Saint-Dieu. Il laisse cet enfant avec autant d'amour. Qu'Eliel soit fort et qu'il soit béni, Père Dieu. Et aussi en parfaite santé. Jésus-Christ, mon roi, protège-les, mon bien-aimé Seigneur. Qu'ils soient forts, même si la maladie pouvait frapper, Seigneur, qu'elles se tiennent éloignées et que la guérison y soit, mon bien-aimé Père. Tu es le Dieu qui agit, bien-aimé Père. Tu es aussi son Dieu, mon roi, le Dieu de son père et de sa mère, Seigneur. Bénis aussi leurs filles, mon bien-aimé Père Dieu, que ta bénédiction leur soit accordée. Pouvoir pour le bien matériel aussi, Père, pour en prendre soin, qu'il ne leur manque jamais de rien. Oh, Père Tubissant, le moyen financier, l'huile, Père Tubissant, la farine ne manque jamais. Que tu le bénisses, Père. Je te demande cette grâce, cet enfant soit béni. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Que Dieu se bénisse. Et les tous devant tes yeux, tu verras. Jésus, Jésus,